Il y a quelques mois, l'anthropologue Florence Bergeau-Bacler publie une enquête sur les réseaux des frères musulmans, fruit de ses recherches. Un Béarnais de 36 ans comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Pau pour menace de mort envers la chercheuse sur le réseau X, autrefois Twitter. Monsieur Chiki donne le choix à ma cliente, soit de débattre avec lui autour du frérisme, de l'islamisme, soit d'être tué ou de subir un viol de masse. Donc aucune de ces propositions n'est très agréable et juridiquement ça caractérise sans l'ombre d'un doute la menace de mort, surtout que quand on regarde l'ensemble de la prose de Monsieur Chiki sur Twitter, il est fait régulièrement référence à la violence, à l'islamisme, au rejet de la France et des institutions de façon absolument non équivoque. Depuis ces menaces, Florence Bergeau-Blackler vit sous protection policière. Nassim Chiki a été reconnu coupable et condamné à 15 mois de prison ferme. Il a nié tout au long, mais ça n'a pas convaincu le tribunal. Si je n'avais pas cette protection policière, je ne pense pas que je prendrais le risque de me montrer en public. Viendra un moment où effectivement je devrais retourner sur le terrain en anthropologie, c'est mon métier. Je suis confiante, je pense que le public est en train de comprendre ce qui se passe et je pense que cette peine est aussi dissuasive pour certains. L'homme a été écroué, il a 10 jours pour faire appel.